Bonjour, bonsoir tout le monde sur la chaîne Environ Informatique là pour une nouvelle vidéo. Je dis à nous parler de effet miroir qu'on est capable d'utiliser dans CorelDRAW. On va parler de effet miroir et on va parler de découpage d'un objet dans CorelDRAW. Je dis merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si vous voulez faire ça, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton rouge ou cliquer s'abonner ou bien subscribe là. Et puis activer la cloche de notification comme ça vous ne pouvez pas rater aucun vidéo. Bien rapide, nous allons montrer comment vous réalisez un effet miroir qui est capable de permettre de réaliser des chefs-d'œuvre dans CorelDRAW. Ça n'a fait, mais nous avons une photo ça là, nous allons montrer comment vous utilisez l'effet miroir là. On va venir ici, on va voir deux options. Nous avons un miroir horizontal, nous avons un miroir vertical. Vous cliquez sur le miroir horizontal par exemple, vous cliquez sur lui, la photo là, changer de position. Vous cliquez sur la photo là, vient retourner dans l'état initial. Si vous cliquez sur le miroir vertical, la photo là, vient tête en bas. Pour ça, nous allons faire, nous allons dupliquer la photo là, nous allons faire deux. Comment on fait ça? Il y a deux façons pour faire ça. Pour faire clic droit avec souris, pour presser clic droit souris, Québec touche là enfoncé, et pour déplacer souris vers la droite, et vous la gueule dans le menu contextuel qui paraît là, vous cliquez sur copy here, et puis automatiquement, copier et photo à vous, de l'autre côté. L'autre façon qu'on fait ça, on va dire sur le clavier, pour sélectionner photo et vous faites CTRL D sur le clavier, CTRL D, dupliquette, et puis vous voyez que. Et photo là, il fait deux. Nous fait photo à faire deux. Nous allons appliquer un effet miroir horizontal sous photo. Ça le fait, nous venons dans le miroir horizontal, nous cliquons et puis automatiquement après que photo vient une en face. L'autre, c'est comme ça qu'on va appliquer l'effet miroir là. Nous allons montrer comment réaliser un petit effet bien facile dans CorelDRAW grâce avec effet miroir et puis un outil qui relie transparency dans CorelDRAW. Vous venez mettre image là, ok, pour un membre image là, on mettre le ballon miroir vertical, ok, et puis il vient en bas et puis on prend le ok, on prend le ballon miroir pendant en bas, on prend le miroir horizontal, ok. Placer photo ici comme ça, et puis on va utiliser un outil qui est le transparency, et puis on va voir ça, il va cliquer sur transparency ici, cliquer sur transparency, et puis on va cliquer Kembe, on se traîne Kembe, clic gauche sur là, et puis on va avancer, ok, et puis quand il manette ici capable petit manette à me descendre plus bas, on a même plus transparence, et puis l'ogadio ou que ou un effet qui semble avec un reflet de photo qui en l'air. C'est grâce avec outil miroir et transparency pour réaliser ça. On va aller dans view et pour faire full screen preview, on va voir bien travail que vous faites. L'autre bagaille, on va le montrer fait. On va le montrer comment on est capable de découper un objet dans CorelDRAW. Comment ça fait? Par exemple, on vient sur pas ça. Okay. Par exemple, nous gagnons image ça. Okay. On va montrer comment réaliser qui. Dans Photoshop. Comment on fait ça? Par exemple, je viens ici, je crée une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page dans Photoshop, je clique sur le petit signe plus là. Ok, je viens de page là. Je viens de page 1, je viens de page 2. Ok, je viens de créer une nouvelle page, je clique sur le signe plus là. Et puis automatiquement, je crée une nouvelle page ici, page 3. Et puis, ça me fait, nous allons réaliser. Nous allons découper. Objet par exemple, on prend outil ellipse tout là, on clique sur lui, ok, on capable faire un cercle, c'est contrôle. Si on va presser cercle là, si on va presser contrôle, on juste fait comme ça, il part en cercle,
essayer un ovale pour capable un cercle. OK, ça me fait faut presser touche contrôle dans le clavier. OK, on va venir prendre outil ellipse là, on presse touche contrôle et puis avec souris on presse clic gauche et puis moi tracer un cercle. OK, je fais P, je presse P sur le clavier pour mettre au centre donc la page et puis n'importe couleur. On va prendre OK, on retire les lignes qui dehors avec cliquer ici clic droit. OK, on retire les lignes, pas une ligne. Et puis par exemple, on vient ici choisir star étoile. OK, on va aller n'importe couleur. OK, on va n'importe couleur. Je vais montrer comment on est capable. On prend étoile par exemple, mettez-le ici. Mais étoile là ici comme ça, on sélectionne tous les deux, ni cercle ni étoile là, on sélectionne tous les deux à la fois et puis on vient là ici côté trim là, trim, OK, on clique sur trim et puis l'aime déplacer cercle moi m'a point que OK, on partie dans étoile là qui est ma clé non cercle moi c'est ça. C'est ça outil qui est le trim là, il fait. OK, on va venir là pour mettre également là, on sélectionne tous les deux. OK, on sélectionne tous les deux et puis on fait trim encore et puis les mots tirer pour point que ou joindre un effet très surprenant non Corel Draw. C'est tout ça que je vous ai pour nous aujourd'hui dans Orléans Informatique. Pas oublier d'abonner à la chaîne pour toutes les vidéos. C'est ça qui va nous force. Plus force pour nous porter plus de vidéos pour ce channel là. Ciao, ciao. N'a pas l'air encore.